Fait que ça retarde l'arrivée de mes enfants. Camille rêve au jour où elle sera maman, mais pour l'instant, elle a mis ce projet sur pause. J'aimerais ça en avoir plein, mais je me pose trop de questions, puis j'ai pas envie de m'appauvrir ou d'arrêter mon travail. Je trouve ça complètement fou dans un pays occidental qu'on en soit rendu là. Aujourd'hui, elle se joint à des dizaines d'autres manifestants devant l'Assemblée nationale à Québec. Ils ont tous le même objectif en commun, faire passer un message au gouvernement. Il faut qu'ils réinvestissent massivement et rapidement. Ça n'a aucun sens humainement. Et ça n'a aucun sens économiquement non plus. Qu'on revienne à la base, finalement, de ce qui était l'implantation de cette vision des CPE de Mme Marois dans les années 90. L'éducation ne commence pas à 5 ans à l'école. Ça commence vraiment dès la naissance, puis on voit les répercussions à long terme. Même les plus petits avaient leur mot à dire. Avec le récent rapport de la vérificatrice générale sur la qualité des services de garde et le projet reporté du guichet unique pour les places qui devait servir entre autres à gérer les listes d'attente, de nombreux parents sont inquiets. Premièrement, le rapport de la vérificatrice générale qui nous dit que le tiers des garderies ont échoué à leur test de qualité éducative, c'est très préoccupant. Et le guichet qui est reporté d'un an, ça prend du temps, c'est repoussé. Au cabinet de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, on mentionne que depuis la remise du rapport de la vérificatrice, on remarque déjà une hausse de 20 % des installations qui correspondent aux exigences du ministère pour les garderies non subventionnées et subventionnées. Une hausse de 10 % dans les CPE est également observée. Depuis 2021, près de 33 000 places supplémentaires ont été ajoutées. Le nombre d'enfants en attente est en baisse. On mentionne que le réseau a cessé d'être développé pendant plus de 15 ans, qu'il faut se donner le temps de bien faire les choses. La ministre de la Famille va remettre un plan d'action d'ici 3 mois au gouvernement afin d'améliorer la qualité dans les différentes installations. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.